Bienvenue. Chaque jour, il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne MagNews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Près de 9 ans après le début de leur idylle, deux anciens candidats de Secret Story viennent de franchir un cap. Ce mercredi 22 juin, Benoît Douady a demandé Charlène Lemaire en mariage sur un ponton à Zanzibar. La scène s'est déroulée avec la complicité de Thiam, leur fils de 2 ans. Leurs abonnés attendaient ce moment depuis de nombreuses années. Régulièrement, le couple était interrogé quant à ses envies de se passer la bague au doigt lors de sessions de questions-réponses organisées sur les réseaux sociaux. Un moment plein d'émotions, Charlène Lemaire se souviendra toute sa vie de cette belle soirée de la fin juin. Ce mercredi, Benoît Douady l'a emmené sur un ponton après avoir pris soin de lui bander les yeux. Quelques secondes plus tard, le jeune homme s'est agenouillé devant sa compagne et leur fils Thiam a tendu un écrin à sa maman. Émue aux larmes, la jolie brune vêtue d'un bel ensemble blanc a enfin pu dire oui. Cette jolie séquence a été diffusée sur Instagram où elle a rapidement fait le buzz. Hilary Van Drosiren ou encore Anaïs Sanson n'ont pas manqué de féliciter les futurs mariés. De son côté, G Styleman explique avoir eu envie de chialer à la vue de ces images. Un couple solide et épanoui en 2021, Charlène Lemaire et Benoît Douady décidaient de quitter l'émission Maman est célèbre. Depuis, le couple d'influenceurs exerce son activité professionnelle sur les réseaux sociaux. Après 7 ans d'un amour sans nuages, ils se sont pactés en novembre 2020. À l'époque, la jolie brune espérait que cette première union augure un joli mariage. Son vœu le plus cher vient d'être exaucé.